Ouais, du coup, généralement, quand j'arrive, moi, je prends toujours 5-10 minutes, tranquille, tu vois, genre juste histoire de déjà mettre le matos, ouais. La taille, et puis, je fais toujours ça. Ça met un petit peu dans le bain, tu vois. Ouais, ça réveille tranquille. Ouais. Ça prépare tranquille. Ouais, c'est ça. T'arrives, t'as une petite coupure entre, entre le trajet que tu viens de faire et là, l'arrivée à la salle, ça j'aime bien. Ouais. J'en profite pour prendre ma caféine et tout. Une fois que j'ai fait tout le... que j'ai préparé tout mon matos, je commence tranquillement mon échauffement. Généralement, je commence un petit échauffement... cardiovasculaire. On a feu. Donc, moi, ça me va. Allez. Tu tournes. Là, ouais, tu tournes en fait. Tu mets tranquille, ouais. Juste histoire de faire mon ligne. Ouais, ouais. Et tu viens toujours à peu près à ces heures-là, là ? En fait, ça dépend. Parce que là, je me suis calée sur mes heures de passage sur les mondiaux. Mmh. Et vu que je passe à 9h, ouais, je viens vers, pour avoir l'habitude. Vers 10h. Ouais. Pour avoir l'habitude, sinon, non, je viens plus vers les... Quand c'est des gros entraînements, vers 14h. Mmh. Et après, sinon, les petits, ouais, vers 11h. Mmh. Généralement, je me prends pas trop la tête avec les heures d'entraînement. Mais là, quand je prépare les mondiaux, ouais, il vaut mieux. Ah bah ouais. Il vaut mieux parce que mine de rien, ça change quand même pas mal de repères. Ah bah c'est sûr. Ça change pas mal de repères. Puis t'as toute l'horloge biologique, c'est important aussi. Ouais. Combien de temps de vélo t'as dit? Bon, 5 minutes. 5 minutes, juste histoire de... Juste histoire de sentir que tu te chauffes un petit peu et que... pareil, moi ça me sert de... C'est pas tellement... tu vois, ça me fait du bien l'échauffement, l'échauffement cardiovasculaire. Mais c'est surtout pour faire une petite coupure. Ouais. Comme ça, tu te mets tranquillement dedans. J'aime pas être brusqué. L'entraînement, on est chill. T'as bien raison. Bon, vas-y, si tu veux, on peut passer tranquillement. Et bah, fire. Au warm-up. Je vais te montrer, ouais, quelques. Parce que moi, je fais de la réhab aussi. Ouais. Je vais pas forcément te faire cela. Mais après, tu vois, genre, ce que je fais, moi, c'est surtout ouverture de hanche. Et mobilité de cheville. Moi, c'est ça surtout qui me met. Mobilité de cheville, ça va me faire du bien. Et après, hanche, je suis plutôt souple, mais ça va faire du bien aussi. Et après, j'échauffe aussi tout ce qui est psoas parce que j'ai des. Ouais. Je suis assez tendue, moi, du psoas. Donc, ça aussi, je te montrerai. Et des exos unilatérales. On a feu. Ouais, et après, juste tu joues un petit peu voilà, sur le côté. Juste ça. Ouais. Juste comme ça. Ouais, ouais. On est good. Okay. Comme ça. Juste pour sentir tranquillement que tu te mets dans le. Tu te mets dans le jus. Il n'y a pas d'étirement, pas de. Juste pour te mettre dans le jus. Ok. Vas-y. Et ensuite, pour la mobilité de cheville, moi, ce que je fais, pareil, j'y vais progressivement. Donc là, je me tiens au rack. Je pose ma main sur mon genou pour mettre un petit peu de pression. Ouais. Et ensuite, juste, tu pousses, tu maintiens quelques secondes et tu reprends. Ok. Et je fais ça plusieurs fois jusqu'à tenir un petit peu plus longtemps. Au début, je tiens 3 secondes. Okay. Et après, jusqu'à forcer 4 secondes. Et au final, comme ça, tu sens que l'articulation tranquillement. Est... Ah, c'est pas un problème. En plus, c'est très osseux. Elles sont très grosses. Pareil, ça, généralement, je fais toujours un peu... je fais toujours au poids de corps, en fait, ça dépend. Mmh. Il y a des journées, je sens que je suis vachement, vachement raide. Mmh. Donc, quand je sens que je suis raide, je prends une, je prends soit un kettle, soit un halter. Ok. Tu le mets sur ton genou. Et ouais, tu le peux jouer. Si jamais tu sens que... Que c'est un petit peu bloqué. Ok. Je vais te montrer aussi un exo de respiration que je fais. Ouais. C'est pas mal ça pour le bracing surtout. Ouais, tu peux reculer un tout petit peu pour faire un angle droit avec tes genoux. Impec. Et là, tu peux poser tes mains sur ton ventre. Tu gonfles ton ventre en le poussant vers l'avant et en essayant de garder ton dos bien... Bien plaqué. Bien plaqué, ouais, contre le sol. Et pareil, du coup, quand t'expires, tu relâches bien ton ventre. Respiration ventrale, du coup. Ouais. Ok, une fois que t'as fait plusieurs respirations... Ah, j'étais parti à l'imagerie, là. Ouais, c'est pas mal aussi, si tu veux te mettre aussi dans ta bulle. Ouais, clairement. Et un autre, du coup, pareil, pour engager... Allez. Donc pareil, même position que tout à l'heure, là, contre le mur, sauf que du coup, tu te tiens pas. Ouais. Et ensuite... Ok. Ok. En serrant bien tes abdos. Et pareil, ça va te permettre d'engager ta sangle abdominale. Ça, pareil, là. Généralement, je le fais plusieurs fois, une dizaine de fois, histoire de sentir que ça travaille bien. Donc si j'ai bien écouté,
comme ça. Ouais, avec les mains au-dessus de toi. Tu ouais. lèves les mains, et après... Non, ton bras vers l'arrière, quand ta jambe ah, se comme tend, ça ouais. Ok, comme ça, ok. Ok, je recommence. Avec okay, ouais, comme ça. Tu gardes l'autre bras tendu. Ok. Ouais, parfait. Sur un temps de respiration à chaque fois ouais. Genre là, j'inspire. Ouais. Là, tu bloques et après, tu expires. En serrant bien tes abdos, du coup. Je vais essayer. Ça. Elles sont les 8. Je les vois pas. Ah, elles sont là. Tiens. Je pense que 8, ça devrait aller. Et là, du coup, là, ce qui est bien, c'est qu'en plus, bah, déjà, ça va te permettre de bien dérouiller tes hanches. Et surtout, si t'as pas beaucoup de mobilité, ça va bien t'aider. Donc là, du coup, bah, largeur où tu peux descendre sans ouais. être limité. Ouais. Et après, juste là, tu inspires et tu expires. Juste ça ? Ouais. Les jambes en contrôle, ouais. Pour les squats. Donc ça, pareil, ça, je le fais jusqu'à ce que je sente les jambes chauffées. Ouais, regardez ça. Et ça, pareil, c'est bien parce que généralement, bah, quand t'es un peu raide, sur les premières reps, tu te sens bien, bien raide là, bien. Et après, au final, ça se détend tranquille et tu peux commencer ton squat. Ça ressemble à ça à peu près ? Ouais. Là, c'est parfait. Oh, parfait quand même. Je vais te montrer une comme moi je le fais et l'autre avec l'adaptation. En gros, là, ça va être de l'unilatéral pour chauffer la chaîne poste et un petit peu les adducteurs aussi, qui okay. est un petit peu mal aux adducteurs. Donc là, juste. Tu inspires, tu bloques un petit peu et tu expires. Et pareil, tout en contrôle, tu essayes de faire un tempo toujours un petit peu, un petit tempo léger à chaque fois. Donc pareil, okay. ça des deux côtés. Et si jamais c'est trop compliqué au niveau de ta stabilité, juste tu mets une toute petite pression avec ta pointe de pied derrière. Et comme okay, ça, juste tu peux pour être descendre plus un peu plus stable. Ouais. Ok. Voilà. Et pareil, des deux côtés, généralement j'en fais une dizaine. Alors du coup, tu as mis pied droit. Ouais. Main comme ça. Ouais. En fait, tu descends comme ça. En poussant les fessiers vers l'arrière. Ok, on essaie. Ouais, pas en me laissant juste tomber. Ouais. Donc en fait. Non. Comment tu fais en du fait, coup c'est ton. C'est une. Comment dire. Une flexion de hanche. Ouais. Et une extension de hanche. Ah, mais en fait, ok. Capté. Genre ça. Ouais, voilà. Ok. Un truc comme ça? Ouais. C'est mieux. Après, c'est pas évident au début, hein. Ouais. Et tu descends jusqu'où, à peu près ta cheville? Ouais, par contre, un tout petit peu plus bas, si tu peux. Ouais. Toujours en poussant tes fessiers vers l'arrière. Ok. Ouais, t'es pas trop mal, celui-là. Non? Normalement, si. En fait, faut que je pousse encore plus les fesses derrière. Ouais. Et essaye, si tu peux, là, vu que du coup, tu restes... Essaye de rester en appui sur ta jambe, sans reposer l'autre. Ok. Mais là, par exemple, elles sont bien... Je suis bien placé, là, comme ça? Ouais. Descends, hein, ouais. En poussant toujours et en essayant de garder un tout petit peu... Enfin, ta jambe un petit peu plus tendue. Pas celle-là, l'autre. Ah, elle celle, ouais. Ah, tu la gardes tendue, celle-ci? Ouais. Ok. Ah ouais, là, ça m'étire de ouf. Ok. Enfin, ça... Ok, ça marche. Ok, ok. Ouais, tu sens que ça t'échauffe tout ce qui est là derrière. Du coup, je vais te montrer le bar basse. Allez. Donc là, du coup, en fait, tu cherches l'endroit où tu peux la caler, en fait. Ouais. Généralement, ouais, c'est sur le derrière de ton épaule, un petit peu plus bas sur les trapèzes. Ok. Et là, du coup, après, rien de compliqué. Nous, on essaye de faire trois pas. Tu vois, quand tu sors ta barre, en fait, il faut que tu perdes le moins d'énergie possible, parce que c'est des charges lourdes. Donc, il faut pas que tu perdes d'énergie bêtement. Donc, juste, hop, tu te places. Une fois que tu es bien placé, tu braces. Donc, tu inspires en... Comme si, en fait, tu voulais... En fait, le bracing, c'est comme si tu voulais abaisser tes côtes. Et faire un gros bloc, en fait. Ouais, bien, comme une canette, tu la mets sous pression. Sur l'avant, sur les côtés. Donc, du coup, juste avant de sortir ta barre, pareil, hop, donc tu braces. Bon, là, du coup, je ne l'ai pas fait, mais il faudra que tu le fasses. Tu te places. Et ensuite, pareil, gros bracing. Et tu descends. Ok, je me mets sous pression et après, ça marche. Ouais, vas-y.
je crois que je suis plutôt nice, là. Hein? Un truc comme ça. Ouais, bah si tu te sens bien. Ouais, nickel. Ouais. Vas-y, tu peux faire trois pas, tranquille. Oh. Après, là, tu te mets à respirer comme ça. Par la bouche. Ok. Et après, là, tu y vas. Ouais. Après, bon, il faut que je me mette un peu plus écarté. Ouais. Et après, je remonte. Ouais. C'est tout simple. C'est tout. Ça. Okay. Vas-y, fais-en plusieurs, histoire de t'habituer un petit peu, là, déjà, barre à vide. Ok. Alors moi, tu vois, j'ai très peu d'amplitude. Là, par exemple, j'ai du mal à descendre plus. Ouais, essaye d'écarter un tout petit peu plus, voir. C'est mieux, là, déjà. Ouais. Mais vous arrivez à descendre plus que là, par exemple? Moi, bah, après, oui. Moi, là, sinon, je m'affaisse un peu, tu vois. Ouais, bah, après, là, t'es à plat. Je pense que... Enfin, tu vois, si t'étais mon athlète, je pense que t'aurais conseillé de prendre des chaussures de squat. Déjà, okay. Histoire que... Tu veux essayer pieds nus? Limité. Mais faut que tu te dises que... Comme si tu voulais élargir ton dos et ramener tes coudes en fait contre toi. Faut vraiment que tu sentes que tes dorsaux c'est ça, ils sont c'est vraiment des blocs. Tiens, ouais, c'est. Du coup, au gros pressing, c'est j'arrive. Ouais, sans lever ta cage. Ok, pousser avec le ventre. Ouais, plutôt comme si tu voulais compact, plutôt te refermer en fait sur ta barre. Là, tu vas sentir que tes abdos vont s'engager et que là, tu vas pouvoir pousser ton ventre vers l'extérieur et sur les côtés. Mais tu fais quand même un entraînement de l'air pour être... Ouais. Donc en fait, c'est comme si tu prenais une grande inspiration. Ouais. Bah, imagine et après, tu retiens ta respiration. Imagine en fait une canette de coca, tu vois. Là, ta canette de coca, si t'as pas d'air dedans, bah, tu peux la déformer. Alors que si tu la gorges d'air, tu pourras pas. Genre, t'es complètement. C'est toi qu'en fait, il faut que tu sois le plus compact possible. Et après, t'expires à quel moment plutôt? Et après, tu recules tranquillement. Et là, tu peux. Moi, ce que je fais, c'est que j'expire mon air tranquillement quand tu recules. Pas tout, pas complètement. Et après, du coup, tu refais un gros pressing et après, tu expires après chaque rep. Ok. Mais du coup, sur la phase où tu remontes. Non. Ou après, après. Donc, tu l'as fait en apnée. Ouais. Ok. 160 ou. Bon, on peut tenter 100%, je pense que ça arrêtera à 100%. Donc là, je me mets à peu près comme ça. Ouais. Et après, là, je commence mon pressing. Ouais. Parfait. Comme ça ? Ouais. Non. Parfait. Ouais, en fait, dis-toi. Il était bien. De quoi? Il était bien, là. Bah ouais. Après, t'as un coup de main à prendre, mais là, c'est pas mal du tout. Hein. Ok, comme ça? Ouais. Moi, je me crée une zone de confort. Mm-hmm. Et en fait, dès ma première barre de chauffe, tout de suite, je mets en place ma petite routine et tout. Ouais. Ouais. Mes petites habitudes, mes petits trucs. Et bah attends, si tu veux, je te le montre. En fait, dis-toi que plus tu prends ton temps, plus tu décomposes. Plus ça va être compact et plus tu vas, comment dire, moins tu vas perdre d'énergie en fait. Okay. Vraiment, notre sport c'est économie. Okay. C'est économie pour soulever le plus lourd possible en fait. Donc là tu vois, hop, moi j'arrive, tranquille, je place une première main, une deuxième. Donc là, tu vois, je fais toujours la même mécanique en fait, qui est 70 ou 180 ou 200, toujours la même mécanique. Après tu passes en dessous. Après gros bracing. Les trois pas que je te disais, je vais écarter un peu plus vu que je suis à plat. Et là, pareil, gros bracing. Et après, tranquille, tu re-rack. Tout est décomposé, tu prends ton temps en fait à chaque fois. Ah, vraiment sur cet aspect technique, c'est ça. Première étape, c'est vraiment déjà placement de la barre sur le dos. Ouais. Après, c'est vraiment on décolle, petit bracing, on commence à reculer. Et après, là, on est en place, on est notre largeur, on est prêt à partir. Ouais. Et là, après, on fait le gros bracing et là, on se lance avec la gestion. C'est ça. Et en fait, plus tu prends ton temps, plus tu prends le temps de répéter en fait sur dès tes premières barres, en fait, plus tu auras tes automatismes après, en fait. Et moi, là, c'est surtout ce que je fais parce que bah, arriver en compète, quand tu passes de ta zone de confort à la maison et après, bah, t'es en compète, bah, t'as pas le choix d'essayer de retrouver, de te créer une zone de confort que c'est tu peux retrouver partout, en fait. Ok. Déjà, ces trois points techniques de les vivre. Ouais, bah, c'est les plus importants. Hein. C'est les plus importants. Là, il y a 50 là déjà? Oui. Elle fait 20 et 15 et 15. Okay. Ouais, tout à l'heure, je t'avais mis 40. Et là, je suis 50. Et après, vous, un repère technique à la hauteur justement de ça, qui est important pour vous. Oui.
Après, il n'y a pas pareil, il n'y a pas deux écoles, il n'y a pas sumo ou tradi, là, c'est... Il y a juste la hauteur, enfin, l'écartement que vous allez mettre. Après, là, il y a un petit peu des avis divergents par rapport à la position de la barre. Okay. T'as plusieurs règles, mais en gros, là, ici, c'est le creux de la hanche qui doit passer sous la pointe du genou. Okay. Si ça, c'est bon. Après, voilà, les arbitres restent aussi des êtres humains, forcément. Bah, déjà, il faut que tu attendes des ordres. Amplitude, il faut que l'amplitude soit bonne, sinon c'est pas bon. Faut pas que la barre fasse de petites redescentes. Si par exemple, tu commences à pousser, tu descends légèrement et que ça remonte, c'est mort. Okay. Du coup, l'angle du buste maintenant qui commence à être un peu jugé différemment aussi. Si ton buste est trop. Trop en avant. Ouais. Et après, pareil, il faut que tes pieds restent bien ancrés dans le sol tout le long du mouvement. Mais dans tous les cas, si t'as un carton, c'est que c'est mort. Ok, ah ouais. Enfin, c'est que le juge a décidé après. Le mouvement n'est pas forcément mauvais puisque vu que t'as trois arbitres, si t'as deux rouges, une blanche, c'est pas bon. Par contre, si t'as deux blanches, une rouge, c'est bon. Ok. Tu me le fais avec les. Les instructions du juge. Allez, vas-y. Du coup, là, je suis appelé, tac, j'arrive. Ouais. Là, du coup, quand t'es appelé, t'as une minute pour faire ton mouvement. Donc après, une minute, ça te laisse largement le temps de te placer. Le truc, moi, que au début, j'arrivais pas à faire quand j'ai commencé les compétitions, c'est que tu vois, à l'entraînement, je prenais mon temps. Ouais. Et en fait, arrivé en compète, tu te dis, oh là là, vite, il faut que je me dépêche. Ouais, donc tu prends pas le temps de faire tes mêmes... tu prends pas le temps de faire ta même routine, tu prends pas le temps de bien te placer sous ta barre, donc tu précises. Donc dis-toi qu'une minute, c'est long. Ah ouais. C'est franchement long, si tu prends une minute pour te placer, en vrai, moi ça m'arrive en vrai de prendre 40-45 secondes des fois, mais tu vois, t'as le temps. Ouais, puis comme tu disais, à ce moment-là, t'aimes bien prendre ton temps aussi, t'as bien raison. Tu vois, je préfère limite entendre le décompte de il reste 10 secondes et je sors à peine ma barre, tu vois. Plutôt que de me dire, ok, bah, je la sors n'importe comment. Tu te presses pour rien. Quand c'est sur des barres, quand c'est sur tes warm-up, ça va. Ouais. Et quand t'es là, t'es à 5 kg de ton max. Ouais. Bah, ça faut prendre le temps. Une barre qui est mal placée d'un centimètre, tu peux être sûr que tu complètes la tâche, voire même qu'elle passe pas. Ok. Voilà, après là, je mets mes deux pieds côte à côte bien sous ma barre. Ouais. Tu peux te placer un tout petit peu plus sous ta barre, je pense. T'es un petit peu trop en arrière. Ouais. Et là, gros bracing, et tu peux la sortir. Squat. Rack. Ok. Ouais, nickel. Ok, ouais. Ah, c'est cool en vrai, hein. C'est pour ça que toujours bien prendre son temps parce qu'au final, arrivé en compète, en fait, t'es obligé de prendre ton temps. Ouais, bah ouais. T'as pas le choix de toute façon parce qu'une fois que t'as sorti ta barre, en tous les cas, t'as pas le choix, faut que tu patientes. Mmh. L'arbitre, il va pas te donner le. Enfin, dès que t'as fait tes pas, il va pas te dire squat, tu vas pas. Faut que tu prennes ton temps. Et de toute façon, je te montrerai, c'est pareil pour le bench. Mmh. Et après, pareil, en fin de mouvement, bah, il faut que tu saches bien patienter avec ta barre, même si en fin de mouvement, t'es là, quand tu viens de grind 10 secondes, t'as envie de reposer ta barre, mais tu t'attends. Donc, ouais, c'est cool. Non, mais tout est calibré, tout est contrôlé, c'est toujours le même geste, toujours le même. Peu importe la charge. Ok. Voilà, pour le squat, là, de toute façon, ouais, on a vu. Le principal. Et souvent le squat, moi, bah, là en intervention, c'est vraiment le truc des fois quand on travaille sur la phase de routine, ouais. À la fin, c'est souvent le squat, l'opener, c'est vraiment le truc qui va permettre à l'athlète d'être à l'aise, de se sentir bien et justement de lancer sa compétition. Ouais, bah, c'est le mouvement le plus stressant. Hein. Ouais. Même moi qui commence à avoir un peu d'expérience, t'es pas bien sous ta première barre. Hein. Même avec tout le travail du monde, la première barre, c'est vraiment le moment où en fait tu te dis, ok, ben là, tout ce que j'ai mis en place, toutes mes habitudes, il faut vraiment que je fasse la même chose pour avoir les meilleurs ressentis possibles parce que bah, après ta première barre, en fait, t'es dedans, t'es dans le truc. Mais voilà, on est humain, si ta première barre se passe bof, tu vois, pas comme tu l'aurais souhaité, ben forcément. Tu vas partir un petit peu moins c'est bien sûr. Que... Après aussi, pour tous les anxieux, c'est important. Ouais. Pour tous les anxieux, ils vont se dire, allez, c'est ma première barre. Ils ont un peu, justement, cette anxiété à gérer. Tant qu'ils n'ont pas fait celle-ci, que ça s'est bien passé. Ouais, c'est ça. Dis-toi que plus tu t'entraînes en condition compétition, mieux ce sera, en fait. Okay. Donc, tout ce que tu mets en compétition, bah, le mieux, c'est de le mettre en compète. Mettre exactement la même chose. C'est pour ça que là, tu vois, les joueurs, j'ai pas le droit de... Là, celle que je mettais avant, j'ai pas le droit de les mettre en compète parce qu'on a des partenariats, etc. avec la fédération. Ouais. Et bah, si j'avais voulu, j'aurais pu les mettre jusqu'à la veille de la compète. Mais ça n'a pas d'intérêt, c'est après la compétition. Ça n'a pas d'intérêt parce que, bah, après... Parce que du coup, la Fédé, maintenant, elle est partenariat avec A7. Avec SBD.
Ok. Et moi, du coup. Ah, t'es passé, t'as inversé. Moi, je suis avec A7. Ok. Et du coup, vu que j'ai pas le choix pour les échéances internationales, ouais, de porter bah, en fait, toute la dotation SBD qu'on nous donne. Le bench. Là, aujourd'hui, surtout, je vais te montrer comment bien ancrer ses épaules dans son banc et surtout bah, la notion de leg drive ouais. que tu voulais. Alors, de ce que j'ai compris, c'est pousser à l'avant un peu. Ouais, engager en fait, un peu à l'avant. Comme si tu voulais faire un leg extension en fait. Tu pousses vers l'avant dans le sol pour en fait sentir tes quadris. En gros, c'est comme si tu faisais un transfert de force. Mais ce que j'aime bien expliquer à mes athlètes, c'est que tu pousses dans tes jambes vers l'avant et en fait, toute ton énergie, elle va venir se transférer dans tout dans ton haut du corps pour monter ta cage thoracique vers le haut et forcer l'ancrage de tes épaules en fait. Okay. Vraiment un mouvement de... Bah, tes jambes poussent vers l'avant, ton corps va vers l'arrière en fait. Voilà. Ok. Toujours le même setup. Moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien faire ça. Comme toi, tu vois déjà, hop, tu vois, tes épaules, elles passent de ça. Hop, hop, tu vois. Okay. Il y a une différence, comme ça, tu peux bien monter ta cage thoracique vers le haut. Ensuite, tu essayes de te placer. Moi, ce que je fais, c'est que généralement, la pointe de mes côtes, plus ou moins, je les mets en dessous de ma barre. Okay. Parce que sinon, après, en fait, il faut que tu te places bien. Parce que sinon, après, sur ta poussée, tu risques de venir taper dans le rack. Ouais. Mais ça, en compétition, tu peux taper dans le rack, mais si tu viens pas t'aider, en fait. Et le problème, c'est que si tu te retrouves bloqué sous le rack, parce que du coup, t'es mal placé, là, ton mouvement, bon, déjà, tu sens que ta tâche et ton mouvement, c'est mort, on se valide pas. Donc, toujours bien se placer, bien prendre mes repères. Ensuite, pareil, là, tu vois, là, j'essaye de placer mes pieds correctement. Déjà, en fait, là, tu vas sentir que là, tes quadriceps sont déjà bien contractés. Ensuite, tu places tes mains. Généralement, c'est l'index. Sur l'anneau. Sur la bague, ouais. Ouais. Parce qu'en compétition, t'as pas le droit de mettre ton doigt après l'anneau. Tu peux le mettre avant, mais pas après. Donc généralement, on met tous plus ou moins la main ici. Et après, hop, tu sors ta barre, pareil. Donc là, tu forces pour monter ta cage thoracique vers le haut, abaisser tes épaules. Et ensuite, t'amènes les fesses sur le sol. Toujours en restant compact, en fait, tu vois. Faut toujours que tu pousses. En fait, dès l'instant où tu commences à te placer sur ta barre, donc tu sens en fait que tes quadris travaillent et que toi, t'es un bloc en fait sur ton banc. Vas-y, je te laisse essayer, voir. C'est que tu vois, si je voulais sortir comme ça, bah en fait, moi, mon seul repère, c'est de baisser comme ça les bras. Mais du coup, je peux pas aller chercher la barre, à moins qu'il faut que je recule plus, peut-être. Non ? C'est pas évident au début, hein. Monte et mets-toi comme si tu voulais faire un pont, comme j'ai fait tout à l'heure. En montant ta cage thoracique. Comme ça ? Non, t'es pas obligé de faire le mouvement que j'ai fait. Vas-y, pose tes mains sur la barre. Ouais. Et là, juste essaye de ressortir ta cage thoracique et d'abaisser tes épaules. Comme Vas-y, et là, sors ta barre déjà. Comme ça, on voit un petit peu comment tu es. Voilà, et là, abaisse tes épaules. Salut. La choc. Ok, ah ouais, mais c'est chaud. Eh oui, c'est chaud, hein. Et après, je descends tranquille comme ça. Ouais. Et après, tu remontes. En poussant un petit peu plus en diagonale, mais c'est bien déjà là. Ok, ok. Mais là, du coup, je pense pas que tu sens trop le leg drive dans ton jambe, ouais. Non, et pareil, même les omoplates, tu vois, c'est. Je vais réessayer, attends, je vais la remettre. Tu vois, en fait, il faut que tu te sentes. Ouais, fais-le déjà à vide. Ah ouais, comme ça. Là, t'es comme ça. Là, tu vois, t'as pas de tension, rien. Ouais. Et là, en fait, comme en fait sur. T'ouvres un tout petit peu. Ouais. Comme si tu voulais tordre ta barre dans tes mains en fait. Là c'est contracté. En fait, tu arrives à faire ça, mais avec la barre. Et ça, c'est pas évident. Ah, je crois que j'ai capté. Comme ça, et du coup, ça va sortir la cage. Ok. Ouais. Ouais, je crois que j'ai plus ou moins compris. Je vais pousser comme ça. Ouais. En fait, il faut pousser comme ça. Avec les coudes légèrement. Ah, bah ouais, comme ça, tu vas plus pouvoir. Ouais. Ok. Donc, en gros, si j'ai bien compris, plus ou moins là. Là, tu vas venir comme ça. Ok, ouais, c'est ça ce mouvement. Ok. Ouais. Là, on se rend pas compte, mais c'est compliqué en fait. De ouf. On a trop l'habitude, du coup, on se dit c'est facile, mais en vrai. D'avoir un bon placement au bench. Vraiment, quand t'as pas l'habitude et que tu connais pas, c'est chaud. En vrai, là, j'ai. Même quand t'as l'habitude, c'est chaud. Ouais, même quand t'as l'habitude, c'est chaud. Ferme fessier en lévitation. Ouais, c'est ça. Et il faut que ce soit au contact, mais pas complètement relâché en fait. Faut que tu sois un bloc. Okay. Un bloc entier au-dessus de ton banc. Ouais, là, j'ai senti que c'était bien là, bien contracté ici. Pareil, au niveau du dos, c'était un peu mieux. Sur ça, c'est mieux. Sur du 5, 6, 7, 8 reps. Je sens plus mes quadriques que mes pecs. Ah, mais celle-là, c'était l'impression que j'avais déjà. Ouais. Comme un exercice de la chaise, entre guillemets, où t'es un iso. Mais ouais, bah là, tu vois, par exemple, moi, le plus gros volume que j'ai là sur le bench, c'est du x8, tu vois, par exemple. Ah.
et ça tabasse. Ça commence à être inconfortable à la fin. Tu devais être contente de, ouais, de sortir là et dire « Let's go, je peux bouger enfin !» Ouais. À l'entraînement, ce que je te disais, toujours s'entraîner en condition compétition, mm-hmm, c'est aussi, comment dire, respecter les ordres. L'éventualité que l'arbitre te fasse une pause de 2 secondes. Tu vois. Moi, arrivé au championnat de France, tu vois, l'arbitre m'a fait une grosse pause. Mm-hmm. Je pense que c'était bien deux bonnes secondes. Plus tu vas arriver stable, plus tu vas arriver en équilibre, plus tu vas arriver compact, mm-hmm, plus tu vas avoir le press vite parce que l'arbitre il va se dire « Ok, c'est bon, appel arrivé, on y va. Mm-hmm. » Alors que si c'est un peu branlant, tu vois, t'arrives un petit peu au manque d'instabilité, etc. Ben là, l'arbitre, forcément, il va se dire « Ah, là, c'est pas top, j'attends. » C'est pas mal. Si tu veux, on peut passer au terre pour le bench. On a vu le principal aussi. Question aussi pour les... Alexis, il a fait une petite vidéo où il parlait justement des poignées. Après, ça, c'est en fonction des athlètes. Tu as plusieurs façons de placer tes... L'idée, c'est du coup pas d'être comme ça. Et en fait, ouais, tu places ta main en fait légèrement... Enfin, tu places ta barre dans ta main légèrement de biais, en fait. Un peu comme ça, tu vois, là, au niveau de ton pouce. Tu vois, légèrement de biais. Et en fait, ça va te permettre en fait juste de mettre plus de tension et de pouvoir mettre l'intention de tordre ta barre dans tes mains. Parce que si tu as la main comme ça, tu vois, toute droite, tu peux pas mettre de tension. Alors que si tu la places légèrement de biais, en fait, arrivé là, tu vois, tu peux faire le mouvement que je te disais tout à l'heure. Okay. En fait, c'est juste ça. Ok, donc un truc comme ça et après, légèrement quoi. Ouais, ça reste léger quand même. Oui. Ok. Oui. Que ce soit valide, il faut que tu aies les index sur les anneaux. Après tu fais ce que tu veux avec tes mains. Après tu fais ce que tu veux avec tes mains. Ah. En fait, pour gagner en amplitude, du coup tu viens de cacher les anneaux. Ah ok. Ouais. Sauf que faut être... C'est pareil, tu surfes un peu avec la... Enfin, avec les limites de la règle. Voilà, c'est ça. Voilà. Ok. Et ben go terre après. Hein. Et ben je vais te charger 40, comme ça on aura la hauteur. Alors terre, jamais fait de ma vie. C'est vrai? Ouais. T'as le sumo et le tradi. Aujourd'hui on va faire du tradi parce que c'est ce qui est le plus simple. Ouais. Techniquement le sumo c'est très compliqué. Tu m'en feras quand même une rep si tu veux. Tu me feras quand même faire une rep du sumo pour Vas-y. Voir. C'est le mouvement en fait où t'es le plus tranquille, où t'as moins d'ordre. Et c'est celui où tu vas chercher aussi la win, tu vas chercher les places, les totales, etc. C'est le mouvement le plus. Là où t'es le plus dans le jus. Le tradi. C'est tout droit. Voilà, le tradi, moi j'adore. C'est trop bien. Là du coup rien de. Pareil, t'as pas de. Après au niveau de l'écartement de tes pieds, tu vois, t'as des gens qui sont en tradi, qui sont un petit peu plus écartés. Moi je sais que je suis assez serrée, tu vois, en tradi, je suis quasi largeur de hanche. Et après, pareil ici, donc tu viens attraper ta barre. Plus... Là t'es un tout petit peu. Y a pas vraiment d'alignement, tu vois, au niveau de tes bras, un petit peu plus écarté. Et là, pareil, tu vois, tu tires ton slack, tu vois le bruit qu'elle fait, ta barre. Ça on appelle ça tirer le slack. Juste le fait en fait de la mettre en tension. Et en fait, ça va t'aider à faciliter ton démarrage. Ok, donc le slack, c'est le fait de la mettre, de la lever un peu. C'est ça. Bon, et en fait, après, tu vas la tirer quand elle est déjà plus ou moins levée déjà. Ouais, c'est ça. En fait, tu vois, elle n'est pas encore décollée du sol, mais par contre, elle est en tension. Et toi, ça te permet, tu vois, au niveau de ton haut du corps, en serrant tes bras en fait contre toi, d'activer tes dorsaux. En fait. Comme ça, tu es bien compact, tu gardes tes hanches fixes. Et là, tu montes ta barre en la gardant bien proche de toi. Là, je suis plutôt au milieu. Je mets juste les mains par ici. Ouais. Petit coup de slack, c'est ça. Et après, ça tape mon genou, c'est grave? Non, bah après, c'est parce que là c'est assez léger, mais après, ça passe tranquillement sur les jambes. En fait, le seul ordre que tu dois attendre, c'est celui de l'arbitre. En fait, ok. Pour te dire de reposer la barre. Une fois que tu es en haut, faut que tu attendes que l'arbitre te dise de la reposer. Ouais. Ok, nice. Ouais, c'est cool en vrai. Hein. Ouais. C'est cool et du coup il faut bien que ça allonge pas, ça vous mettez la magnésie un peu à ce niveau-là sur les cuisses et tout pour être... Mais du talc, ouais. Différence au talc et la magnésie, c'est quoi? La magnésie ça accroche, ça... En fait la magnésie elle sert à dessécher, à déshydrater en fait les... Ouais, la peau. Ta peau en fait, tout simplement. Et le talc. Et le talc c'est une matière qui permet de glisser en fait dessus. Alors là après du coup ça c'est en fonction de chacun. Ouais. En fonction de tout simplement de ce que tu supportes aussi comme prise. Moi je tire en mix grip. Ouais. Alors après comme tu veux, tu vois, c'est là tu c'est fais un truc comme ça toi. En fonction de chacun. Et sinon,
En double pronation, parce que le double pronation, le problème c'est que ça tient pas trop bien quand tu mets lourd. Ouais. Du coup, tu peux faire du hook. Et là, le hook, tu vois. Alors ça, moi, j'aime pas. En gros, tu coinces ton pouce en dessous et là, tu vois, tu viens le... En fait, au lieu de juste prendre ta barre comme ça, tu vois, avec les pouces, ouais, juste comme ça, parce qu'au bout d'un moment, tu vois, ça va glisser, t'auras, ouais, pas beaucoup de préhension. Alors que si tu places le pouce, ben là, tu vas porter... Ah, t'as un rond tour. Prise qui... Tu fais un truc genre comme ça, t'es là, et là... C'est agréable, quoi. Là, tu passes par-dessus. Ouais, tu places le... Enfin, okay, tu mets ton pouce, en fait, sous ta... Ça t'écrase l'articulation du pouce, après, hein. C'est très mal. Et après, fin de séance, tu fais quoi, en général? Après, fin de séance, c'est pareil, tu vois, je prends toujours un petit moment de... Bah, entre mes mouvements aussi, je prends toujours un petit moment de coupure, tu vois, parce qu'en compète, en plus, tu enchaînes pas. Ouais. Donc, quand tu fais des SBD, bah, tu vois, par exemple, hier, j'ai fait un SBD. Mmh. Ce que j'aime bien faire, tu vois, bah, comme je t'ai montré tout à l'heure, tu vois, j'arrive, je prépare mon matériel, mmh, je sors mes poids et tout, tu vois, je me prépare tranquille, je fais ma chauffe. Et en fait, entre chaque mouvement, je prends toujours le temps, bah, déjà de ranger tranquillement. Bah, tu vois, là, par exemple, tu décharges ta barre, tu mets ton banc tranquillement. Ouais. Et après, je mange toujours un petit truc, je me pose, je sais pas, aller 10 minutes. Mmh. Et après, je commence tranquillement ma chauffe pour le bench et pareil avant le terre. Okay. Donc ça permet de, tu vois, tu découpes tranquillement. Mmh. T'es pas dans le jus, tu vois, de dire je me précipite. De toute façon, en compète, on te... Enfin, t'es rarement... T'es précipité généralement, tu vois, sur les compètes régionales où ça enchaîne, mais sur les compètes internationales, généralement, ah, t'as au moins 45 minutes, mmh, avant ton premier passage, entre ton dernier essai au squat et ton premier essai au bench, généralement, t'as au moins 45 minutes. Ouais. Donc, j'essaie toujours de faire exactement comme on compète. Tout ce qui est, bah, du coup, entre les mouvements, tu vois, prendre ton temps, prendre le temps, mmh, de manger, de boire, etc., tu vois, même si c'est... Même si c'est 10 minutes, tu vois, ça te permet quand même de faire une coupure, parce qu'il y a des compètes où je me suis retrouvée à attendre 1h30, tu vois, entre deux mouvements. Bon, bah, quand t'as pas l'habitude, bon, je dis pas, tu vois, d'attendre 1h30 à l'entraînement, tu vois, mais déjà, tu vois, prendre le temps de bien se poser, de, voilà, faire une petite coupure et de se dire, ok, bah là, le squat, c'est un mouvement, maintenant, je me pose, et après, je démarre mon autre mouvement, qui est un autre truc, et ça permet vraiment de couper, découper, en fait, compartimenter la séance, et tout. Et pareil au niveau des temps de repos, nous généralement, en moyenne, je donne des temps de repos de 5 minutes à peu près à mes athlètes. Mais tu vois, par exemple, en fonction des... Après, ça dépend aussi du profil d'athlète que j'ai. Mais par exemple, tu vois, pour les compétitions internationales, quand tu es 14 dans ta catégorie, bah, tu as des temps de récup de 14 minutes à peu près. Je ne prends pas 14 minutes à l'entraînement, tu vois, mais entre 8 et 10, généralement, c'est une moyenne que je fais tout le temps, parce que tu as au moins entre 8 et 10 minutes de récup. Donc entre mes grosses barres, je prends ça. C'est pareil, tu vois, c'est des petits trucs. Mais au final, tu vois, quand j'ai eu des athlètes, que forcément, quand tu coaches à distance, c'est des choses que tu vois pas forcément. Mais quand tu te retrouves avec eux à faire des entraînements, bah, tu te dis, ah ouais, en fait, ça, il y a des trucs à modifier. Tu vois, j'avais un athlète qui, lui, vu qu'il était très stressé, bah, tu le cuis, c'est Nathan. Quand il était très stressé avant ses barres, bah, il prenait 15 minutes de récup. Et parce qu'il avait le temps de réfléchir et tout ça. C'est pas possible. Et du coup, arrivé en compétition, bah, quand il avait 8 minutes, bah, c'était quand même la moitié du temps de ce qu'il prenait habituellement. Ouais. Et là, bah, ça me met dans le jus, tu vois, ça presse. Et ça, c'est des trucs que maintenant, que je gère plus avec mes athlètes et que je gère plus aussi avec moi. Parce que, c'est, tu vois, c'est des petits détails. C'est mais important. Arriver le jour J, en fait, ça fait toute la différence. Ouais. Ah, ça lui permet de retrouver un peu les habitudes qu'il a, justement, dans ses trainings. Et bah, c'est ce qu'on leur dit. Moi, à chaque fois, ce que je leur dis, c'est que, allez, 90% du temps, même plus, c'est dans leur zone de confort, et dès qu'ils vont en compétition, bah, ça les change. C'est ça. Donc là, ça revient à ce que tu dis. Plus ils vont être justement, ces zones vont être proches, c'est-à-dire ce qu'ils mettent en place à l'entraînement correspond à ce qu'ils vont retrouver en compétition. C'est ça qui va être intéressant. Tu peux plus facilement passer dans ce sens-là que dans l'autre sens. Tu peux pas passer. Donc c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et des petits trucs comme ça, des petits détails, ça leur permet comme ça d'être conditionné mentalement pour OK. Et ben, bah, y a pas de souci, il y a 8 minutes. Bah, j'ai l'habitude de faire ça sur 8 minutes et il n'y a pas de souci. Au final, tu as ta zone de confort. C'est ça. Parce que forcément, ton confort, tu l'auras pas autant qu'à la maison, tu vois, parce que bah, tu es quand même dans des conditions où c'est quand même stressant. Quand même des paramètres, des variables externes qui, voilà, qui changent par rapport aux entraînements habituels. Mais plus tu retrouves quand même une zone de confort, bah, mieux tu es, en fait. Ouais, plus tu as tes repères et plus tu
t'as de chance que ça se passe bien. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis même après en compète, le temps, il a tendance des fois à aller un peu plus vite des fois pour certains comme ça. Mm-hmm. Donc là au moins ils ont leurs habitudes et ça leur permet d'être vraiment bon là-dedans. Ouais. Parce que ça c'est vrai, à l'entraînement des fois ça peut paraître très très long le temps, en compète des fois ça peut paraître plus rapide. Donc ça leur permet comme ça de réguler ça. Je fais mon retour, ok, bah séance, par exemple si j'ai beaucoup overshoot, séance difficile physiquement. Et après pareil, vous mettez toujours un petit indicateur sur l'aspect mental à chaque fois ou pas pour tout le monde? Je sais pas comment. Après ça dépend de chacun. Moi je sais que j'aime bien quand même travailler un petit peu avec cet aspect là parce que bah, surtout depuis que moi j'ai fait du gros travail dessus là, c'est énorme, c'est énorme. La part de mental qu'il y a. Donc ouais, j'essaye toujours quand même, de toute façon mes athlètes ils le savent, enfin maintenant j'ai même plus besoin de demander, ils me font... Ah, ils font une partie physique. Ouais, mais ouais, c'est très très important d'avoir, en fait, d'avoir tout au global, hein. C'est pas que... Ça m'intéresse, tu vois, c'est bien d'avoir, bon bah là je me suis bien sentie, j'étais bien ancrée dans mon banc, voilà, tu vois, c'est bien, mais il n'y a pas que ça, tu vois. Le technique, ok, mais après, tu vois, ça peut venir de plein de choses, tu vois, j'ai des athlètes des fois qui me font des séances, enfin, des séances pourries complètes, tu vois, et ça peut ne pas être technique du tout, tu vois, ça peut être juste complètement, voilà, juste mental, là aujourd'hui j'ai appréhendé cette barre alors que bah, habituellement non. Ok, tu vois, ça c'est un fait. Ou tout simplement, bah écoute, aujourd'hui j'ai pas passé une très bonne journée, voilà, je suis fatiguée, j'ai pas dormi, quoi, ça peut être ça peut être plein de choses. Et ça c'est très important aussi de le savoir parce que bah, ça peut, même tu vois en tant que coach, comment dire, ça te permet de savoir aussi si c'est ta programmation le problème ou si c'est autre chose. Autre chose, hein. Voilà, l'environnement global de l'athlète. Mais pareil, c'est, tu vois, pas mal de thématiques là-dessus avec des athlètes différentes carrières, tu vois. Bah, j'ai de tout, il y en a qui sont jeunes, qui ont commencé, il y en a qui ça fait plusieurs années, il y en a aussi qui ça fait des années qu'ils en font. Et tu vois, aussi selon leur période dans leur carrière, le feedback sur l'aspect mental va être totalement différent, tu vois. Bah, tu vois, je suppose quand t'es débutant, tu commences, tu dois être focus peut-être sur l'aspect technique là-dessus, plus un peu aussi l'aspect mental. Mais par exemple, tu vois, sur certaines carrières, là, j'en avais deux, trois qui, ça faisait longtemps qu'ils en faisaient. Et t'as un gros travail là-dessus sur, ok, pourquoi ça fait 10 ans que je fais de la force, pourquoi je continue encore à en faire là-dessus, ou je suis dans une période un peu difficile, période de typer, période de picking, ok, là c'est dur. C'est que plus t'as de l'expérience, en fait, plus tu te connais. Donc plus en fait tu sais sélectionner les bonnes infos en fait pour le coach, tu sais faire des retours un peu plus précis, tu vois. Les débutants, ils vont au moindre truc en fait, tu vois, ils vont chercher tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'ils peuvent trouver, tu vois. Ah mais là aujourd'hui c'est une connerie, tu vois, mais j'ai bu 1,5 litre d'eau au lieu de 3 litres, et c'est ça qui m'a j'ai mis 5 minutes de plus pour venir en voiture, tu vois. Les débutants ont tendance à trouver vraiment tous les petits trucs et après au fur et à mesure tu finis par par te détacher un peu de ça et comprendre vraiment la grosse cause, voilà, ce qui peut poser problème ou ce qui est un peu plus négligeable, on va dire. C'est assez intéressant, et vraiment sur l'aspect mental, tu vois, des fois, souvent, comme j'aime bien commencer les séances, tu le sais, c'est des fois poser la question comment ça va, etc. Et il y en a qui vont être assez pertinents là-dedans, qui vont me dire par rapport à ça, il y a ça qui va super bien, il y a ça qui va un peu moins bien. Et tu vois, sur cet aspect mental, moi, ce que je trouve vraiment pertinent, c'est ça, c'est quand tu veux faire de la force, c'est pas un truc, tu fais 2 mois de la force, 3 mois, et après c'est terminé. Tu fais ça sur plusieurs mois, plusieurs années. Et du coup, de savoir mentalement dans quelle période t'es, comment ça se passe, quelles sont tes motivations, quelles sont tes envies en ce moment, comment ça va sur ton aspect concentration ou d'autres aspects, c'est toujours assez intéressant là-dessus. Ouais. C'était juste pour savoir, déjà je sais que vous tracez un peu l'aspect mental, donc c'est cool. Et tu vois, même avec un athlète, on avait carrément, lui, il avait kiffé, il s'était fait un questionnaire lui-même sur pour tracer son aspect mental. Ok, génial. Il kiffait. Et du coup, il avait mis différents points. Est-ce que je suis distrait par mon téléphone? Est-ce que aujourd'hui, je me suis forcé à aller à l'entraînement? Est-ce que je me suis mis une récompense ou une sanction si j'avais pas à l'entraînement? Tu vois, plein de petits trucs comme ça. Et c'était assez intéressant. Cool. Et du coup, il voulait vraiment faire ça. Je lui dis, essaie de mettre pas beaucoup de questions, tu vois, pour pas que ça soit. Donc, tu vois, je lui ai dit, mais maximum entre 4 et 8 questions, ça te suffira. Tu traces ça et tu mets pareil une petite échelle logarithmique de 1 à 5 ou de 1 à 8 si tu veux, ou 1 à 10, peu importe. Et comme ça, il met un peu son suivi là-dessus, il avait kiffé. Oh, c'est cool. C'est cool. Ok, très intéressant. Merci pour tout ça. Pour
toutes les explications. Et j'espère que tu as senti un potentiel. L'exploitation du champ de bench.